Hey yo yo yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, première écoute de l'album Mi-Ange, Mi-Démon d'Héritier Watanabe. L'artiste Héritier Watanabe a mis à notre disposition déjà son album Mi-Ange, Mi-Démon. Et ben moi je vous proposerai simplement dans mon top 5, j'ai envie de dire de coup de cœur, mes titres, mes chansons déjà phares préférées de cet album. Et ben je vais nécessairement les écouter avec vous. Loin de moi la prétention de dire que je maîtrise la musique à 100%, que je pourrais me mettre à juger tel ou tel autre artiste dépendamment de leurs œuvres. Et ben à savoir, cette plateforme nous donne la possibilité d'émettre tout simplement nos avis libres, on va dire, à l'entourage, libre au milieu musical, libre aux personnes qui entourent l'artiste ainsi qu'à sa fan base d'apprécier tout simplement. Donc voilà, c'est un album riche en mélodie, riche en paroles, riche en émotions et tout ce qui en de cool family. Le travail qui a été fait sur cet album est juste magnifique, incroyable. Je n'arrive pas à croire. Pourquoi? Parce que l'album est à 100% mélodieuse et on sent que l'artiste a pris son temps avant de nous proposer, on va dire, son deuxième album. On sent le travail, on sent dans cet album l'âme et les émotions propres à l'artiste qu'il a voulu nous communiquer à travers ses chansons. Et ben écoutez family, la seule façon, le seul moyen de soutenir l'artiste est d'acheter simplement cette belle œuvre, son album Mi-Ange, Mi-Démon, sur streaming ainsi que sur toutes les plateformes de téléchargement légal, Deezer, Spotify, Napster, Apple Music, Amazon et que sais-je encore. Acheter également cet album en physique pour soutenir l'artiste, cher ami. Ne vous contentez pas simplement d'écouter l'album sur YouTube. Achetez pour soutenir le travail de l'artiste Héritier Watanabe. Sans plus tarder, je vous demanderai de me laisser de like, de com, s'il vous plaît. Soutenez mon travail. Je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour mieux m'apesantir encore sur cet album, dépendamment de vos demandes à vous, family. Donc voilà, sans plus tarder, on passe à l'écoute de Mon Soleil, le premier titre que j'ai sélectionné pour vous, family. Donc voilà. Oh là là, oh là là, dès l'entrée, il bazarde tout. Non, non, ce n'est pas possible. L'artiste, on sent en tout cas la profondeur de la pensée, on sent la profondeur de paroles qu'il a exploité dans cette chanson Mon Soleil, plus la mélodie qui se mélange à tout ça, ainsi que sa voix surtout. Non, 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 non. Je vous recommande Mon Soleil, une chanson belle sur tout le point de vue, family. Donc voilà, on passe à Rancœur. La tête qui porte une couronne et sans repos. Béton, fatigue, béton. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est la pure rumba. La rumba congolaise. Non. On sent que tous les ingrédients sont réunis dans cette chanson. Rancœur, c'est une rumba pure et simple, nette, on va dire. Sans pénombre, aucune carrément. Oh non! Eh ben, je vous recommande cette chanson, family. Je vous la recommande. Écoutez-la consciencieusement, scrupuleusement et prenez votre temps surtout. En voiture, dans vos casques, même chez vous à la maison, prenez le temps d'écouter la chanson, d'auditionner l'album. J'ai presque envie de dire, il y aura quelques chefs-d'œuvre dans cet album, ça c'est sûr. On passe à la chanson Fantôme. Héritier, tu as pris le temps qu'il te fallait. Parce que là, non. La douceur, le parole. À la première note déjà, on sent que c'est une recherche. C'est une recherche en tout cas.
le fait de débuter simplement le coup de cette chanson fantôme, en tout cas je vais me la remettre, on va dire, hein, à maintes reprises, parce que je ne pourrais plus m'en passer, quoi. C'est l'une des meilleures chansons carrément de cet album. Family, je vous la recommande vivement d'ailleurs. Écoutez cet album, écoutez de surcroît cette chanson. C'est l'une des meilleures chansons de l'album. Enfin, je pense que cette chanson connaîtra un succès fou, sans pour autant attendre un clip. Enfin, je crois. Pourquoi ? Parce que la mélodie, le parole, la voix, tout ça là, c'est un cocktail de douceur, tout simplement. Oh là là, c'est pas possible quoi. En fait, Family Héritier, Watanabe nous a sorti un album 100% rumba, à l'exception, on va dire, hein, de sa collaboration avec Desbordeaux, Linkunfa. Et ben cette chanson, je n'ai pas voulu la sélectionner justement parce que mes propres raisons à moi, je me suis dit pourquoi ne pas simplement, on va dire, hein, donner la place, on va dire, à la rumba congolaise de chez moi, fier d'être congolais, parce que la musique, le us coutume, le mers représenté excellemment et illustré, on va dire, dans quelques chansons de nos artistes et héritiers, prouve à suffisance, on va dire, qu'il maîtrise son domaine, on va dire, de vocation. Ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible d'être aussi attractif, on va dire, et donneur de douceur dans vos chansons. Ah non, je n'en reviens pas, quoi. Ce n'est pas possible. Et ben, si l'artiste passera par là, qu'il sache que c'est une pure merveille, j'ai envie de dire. Waouh! Nous passons à la chanson Ma seule raison. Le patriarche, Alex Bouquet, il parle de ses femmes, alors voilà pourquoi j'y préfère de moi-même. Non. Quelle douceur, avec une teinte féminine, c'est ne pas possible, quoi. Family, ma seule raison, c'est la chanson que je vous recommande carrément d'écouter. Et bien, à savoir, Family, les dédicaces que vous écoutez dans telle ou telle autre chanson, hein, c'est une marque de fabrique, j'ai envie de dire, congolaise, propre aux artistes congolais. Une dédicace dans telle ou telle autre chanson, j'ai envie de dire, hein, c'est simplement pour immortaliser la personne, soit pour promouvoir, on va dire, soit une société, soit on va dire un business, soit un commerce et tout. Et ben c'est un propre de Congolais, un propre de artistes de chez nous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est moyennant quelque chose que nos artistes arrivent à dédicacer telle ou telle autre personne dans le but de les immortaliser. Et d'ailleurs, il y a certaines chansons qui sont dédiées, hein, aux personnes voulant, on va dire, rester immortel à travers une œuvre d'un artiste qu'il aime, d'un artiste, on va dire, qui fait de la bonne musique. Et ben voilà quoi, ça ne dérange pas jusque là du moment où c'est modéré, et Héritier Watanabe a su bien les faire, on va dire, en fignolant, on va dire, ses dédicaces dans ses chansons, carrément, raison pour laquelle il y a toujours des personnes qui veulent jusqu'au jour d'aujourd'hui d'être dédicacées dans telle ou telle autre de ses œuvres. Donc voilà quoi, nous passons à la dernière chanson de mon top 5 de coup de cœur sur cet album Family, qui n'est rien d'autre que Roi Manitou. C'est parti. Eh ben moi je vous salue, vous, hein. Dédicace à toute personne qui arrive à me soutenir. Like, commentaire, très très important. Soutenez-moi Family, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Let's go. Wow. Je ne vais rien dire à propos de Roi Manitou. Allez simplement déguster chacune des chansons de l'album Family. Eh ben écoutez, c'est fait un plaisir énorme de passer ces quelques minutes avec vous, hein, pour la première écoute de mon top 5 de coup de cœur sur cet album Mi-Ange, Mi-Demon.
tout simplement lui, tout simplement moi, Héritier Watanabe. Donc voilà family, et ben l'album a 1001 couleurs, choisissez seul qui vous va le mieux, j'ai envie de dire. Et puis voilà, tout simplement, achetez votre album pour soutenir l'artiste Héritier Watanabe sur toutes les plateformes de téléchargement légal, bien sûr, en streaming aussi, sur Deezer, Apple Music, Amazon, Spotify, ainsi que Napster. Donc voilà, je pense que je fais le tour carrément. Eh ben, David Monceau a fait un excellent travail, on va dire, hein, dans cet album, ça c'est sûr. Sans compter le musicien qui accompagne l'artiste depuis le début de sa carrière solo. Et ben, family, hein, tous ceux-là qui tomberont sur cette vidéo, sachez qu'ils méritent tous votre soutien carrément. Et moi, par ricochet, de même, j'attendrai vos commentaires, j'attendrai vos réactions. Like, s'il vous plaît, et partagez la vidéo si elle mérite réellement d'être partagée. Je vous laisse, on va dire, savourer cette mélodie. Je vous reviendrai dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. D'ici là, portez-vous bien, family. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Masque, distanciation sociale, family. Joyeux Noël à vous, mes vœux le meilleur à tout un chacun. Moi, c'est Vimaoete. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.